Salut à tous, c'est Romain. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16. On va se retrouver avec la même équipe. Cette fois-ci, on va jouer avec le maillot du Brésil. Donc, on va faire un Brésil contre le FC Valence. Dernier match de la saison. On est en division 3. Dernier match de la saison. On est déjà assuré de remonter en division 2. Là, on va jouer le titre. Le titre face au FC Valence. Si on gagne, contre le FC Valence, évidemment. Il n'y a pas de doute, on est champion de la troisième division. On sera champion. Là, on jouera contre le FC Valence en international. Ça va être difficile. Hein. Très, très difficile. Il faudra se méfier aussi à Valence de Dani Parejo, de Negredo, de Piatti qui seront très, très forts. De Santimina, très, très forts ces joueurs-là. Ils ont fait douter le Real Madrid récemment. Même si le Real Madrid a gagné 4 buts à 1. Mais c'est quand même, ça reste des gros joueurs. Hein. Il y a du Negredo, du Dani Parejo, le spécialiste hein, sur les coups francs. Faire attention hein, sur Dani Parejo hein, sur les coups francs. Faire attention de ne pas prendre un coup franc, pas faire de faute aux abords de la surface de réparation parce que là, il va te la mettre au fond, Dani Parejo. Bref. Allez, c'est parti. Juste un petit but, une petite victoire pour gagner le titre. Cavani qui fait le pressing déjà. C'est ça qu'il faut faire, le pressing. Et Pépé. Aïe aïe aïe, coup franc. Ouais, je vais vous parler des coups francs. Et là, c'est Dani Parejo qui va les tirer. Dani Parejo. Oh! Oh le poteau! Oh le poteau! Oh, qu'est-ce que je vous disais? Je vous parlais de ce joueur! Je vous parlais de ce joueur, Dani Parejo! Il a failli marquer de loin! Aïe 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 aïe, il faut faire attention! Faut faire attention sur les coups francs! Regardez! Et c'est Yann Oblak qui vient sauver en même temps après le rebond sur la barre transversale. Heureusement qu'il n'était pas cadré parce que s'il était cadré. Et c'est Yann Oblak qui sauve le ballon parce que si Yann Oblak l'aurait pas touché, il serait. Regardez là, poteau rentrant, ça allait faire. Et oui, très bien tiré et très bel arrêt, quel arrêt! Parce que regardez, si Oblak là, regardez, là, s'il la touche pas, ça partait au fond. Je vous le disais, Dani Parejo sous les coups francs. Attention sur les coups francs parce que c'est le spécialiste. C'est pire que Cristiano Ronaldo, j'ai l'impression, sur ce jeu. Pire que. Bon, après Ronaldo, Messi. Pire que Messi en tout cas. Parce que Messi, je me suis déjà pris des coups francs face à Messi, les a mis au-dessus, voilà. Mais là, Dani Parejo, c'est Monsieur coups francs. Bon, c'est pas non plus Julinho, mais voilà, c'est. On l'a vu là, il a failli nous claquer un but, ce bâtard. Allez! Là, Di Maria, le pied gauche, et de l'autre côté, entre elle, Di Maria, la frappe enroulée. Go! Le titre qui nous tend les bras, le titre est là. Et regardez la frappe enroulée de Di Maria. La frappe enroulée, petit filet opposé de entre elle, Di Maria, qui vient inscrire le premier but pour le Brésil à la 10e minute. Déjà, on va revoir le coup franc. Pouf! Oh là là. On a eu de la chance. Hein. Attendez. Là, c'est pas bien fait. Hop! Frappe enroulée, petit filet opposé. 1-0. C'est Angel Di Maria. Et Negredo face à Kedira. Oblak. Attention, Yann Oblak, ne pas faire de boulette. Il nous a sauvé Yann Oblak là parce que là, on aurait pu déjà être à un partout au lieu d'un 0. Faire attention et pas sans faire de faute, bien. Allez, Sami Khedira.
qui va pouvoir lancer en profondeur. C'est bien joué d'entre elles, Di Maria. Di Maria, le centre d'entre elles, Di Maria. Et c'est dans les gants de Ryan, le gardien du FC Valence. Oh, Cavani, Cavani, le pressing de Cavani. C'est bien ce que fait Edinson Cavani avec Rakitic, la frappe. Et l'arrêt de Ryan sur sa ligne. Avec cette passe de Edinson Cavani. Et Ryan fait un très bel arrêt face à Rakitic. D'ailleurs, lui qui va tirer le corner, Rakitic. Et Pépé. Oui, ça passe au-dessus, la tête de Pépé. Il pouvait mieux faire la pépé là-dessus, il pouvait mieux faire. Allez, Isco. Isco, la frappe de Isco. J'ai tenté, hein, avec la frappe puissante d'Isco, ça aurait pu terminer au fond. Allez, Gérard Piqué à la lutte. Allez. Attention, Marcelo le Brésilien. Marcelo qui se fait dépasser, Rakitic. Et attention ce ballon. Rafi qui est sur le côté. Attention dans la tête. Non! Non, l'égalisation. C'est incroyable. Mais c'est juste avant la mi-temps. Mais non. On peut pas se permettre. Et en plus, l'autre Oblak, il a touché. Putain. Comment on peut prendre un but là? Tandis que Oblak l'a touché, il pouvait l'arrêter Oblak. Il a un talent fou Oblak, mais là. Regardez, en plus le ralenti. Oh non, mais ça a été contré en plus par Pépé. Putain, c'est Pépé qui fait chier là. Alors regardez, est-ce que ça partait au fond? Ça allait partir à côté en plus. Pour ça que Oblak a été perturbé. C'est Pépé là qui vient foutre de la merde. Ah, putain. Il aurait pas dû contrer Pépé. Il aurait pas contré Pépé. Il n'aurait pas. Pépé n'aurait pas contré ce ballon. Il aurait. Le ballon serait passé juste à côté. Allez, on va faire direct rentrer Giroud Griezmann. Et au Pierre-Emerick Aubameyang. Allez, tout de suite, Khedira va dégager. Parce qu'il nous manque un petit grisou là. Un petit Aubameyang, un petit grisou là. Un but partout. Allez. Avec Di Maria sur le côté gauche. Il est sur son bon pied entre elle, Di Maria. Le centre de entre elle, Di Maria. Un corner tiré par Antoine Griezmann. Les Gérard Piqué, pourquoi pas? Non, là-dessus. Giroud à lutte et c'est terminé. C'est la fin de la première mi-temps sur le score de 1 partout alors qu'on aurait pu mener à 0. Allez, c'est reparti pour la deuxième période de ce match. Allez, oui! Cavani! 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 La frappe et l'arrêt! L'arrêt sur cette frappe et ça a touché en même temps le poteau. Attendez, on va revoir l'occasion de Cavani. Regardez, hop, la frappe de Cavani. Ça touche déjà le poteau et le gardien qui l'envoie en corner. Quelle occasion! Quelle occasion pour Edinson Cavani. Griezmann sur le corner. Antoine Griezmann. Gérard Piqué, non. Ah oui, Isco. Isco. La frappe d'Isco. Le poteau. Et Aubameyang. Aïe, 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 faute.
Quelle occasion, encore une fois, une occasion. Les mecs, les autres, ils mettent deux buts. Ils mettent un but en deux tirs cadrés. Nous, mais. La frappe du gauche qui a été contrée. Et ça vient toucher le poteau. Sur cette frappe de Isco. Et derrière, il y avait faute de Pierre-Emerick Aubameyang. Ça, c'est bien. C'est bien joué. Allez, Aubameyang! Aubameyang! Oh non, 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 quelle occasion encore d'Aubameyang! J'ai cru que c'était au fond! Mais j'ai cru que c'était au fond! Oh, quelle reprise de Pierre-Emerick Aubameyang! Le ballon piqué de Isco. Et là. Regardez, il avait juste à la mettre en pleine lucarne, il la met juste à côté. Aïe, 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 aïe. Là, il aurait dû quand même la mettre au fond, là, pour la mettre Aubameyang. Avec le talent qu'il a, Aubameyang doit la mettre au fond. Ça va sur le grand Pépé, le solide Pépé. Oh là, attention, attention à ce ballon. Attention, Negredo, le Brésilien Marcelo. Marcelo, c'est bien ce que fait Marcelo. Bravo Marcelo, allez Grisou, il est sur le côté droit. Griezmann encore, et oui voilà il déborde, on va pas la donner à Olivier Giroud, on va la laisser, le laisser déborder. Griezmann, le centre de Griezmann, c'est un corner. Ça a été contré, évidemment c'est un corner. Changement tactique pour le FC Valence. Allez, piqué. Allez, Giroud qui va le donner le ballon à Isco qui veut donner le ballon à Piqué. Piqué, la frappe de Gérard Piqué. C'est contré, ce sera une touche en faveur du Brésil. Le titre, on veut le titre. Oh là là. Et un corner. On a que des corners, on doit marquer avec la tête, pourquoi pas de Gérard Piqué, non. Allez, Aubameyang. Aubameyang, Aubameyang. Allez, attention, attention, attention à ce ballon. Aïe, 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 c'est difficile, c'est difficile. Allez, Antoine Griezmann, Griezmann, il est sur le côté droit, il peut nous sauver la vie, Antoine Griezmann, Griezmann. Griezmann, le centre de Griezmann, Pierre-Emerick Aubameyang. Non, mais c'est dur face au FC Valence. Allez, Pierre-Emerick Aubameyang du gauche. Malheureusement, ça va pas au bout. Giroud. Ah, Giroud. Olivier Giroud. Et c'est la fin. Un but partout et on n'aura pas tout de suite le titre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Sinon, je vous dis à plus tard.